Sur le site de la centrale EDF de Saint-Paul, le ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot, n'aura pas fait d'annonce majeure, pas plus que lors de son déplacement sur le terrain hier. La visite protocolaire est restée au stade des symboles pour vanter l'innovation et soutenir la transition énergétique. Dans la projection de Lille, dans sa projection et son objectif d'autonomie énergétique à partir des énergies renouvelables à 2050, gardons à l'esprit que les choses peuvent peut-être aller plus vite que prévu. Une prise de parole en écho à celle des responsables d'EDF et aussi des entrepreneurs ou universitaires travaillant avec l'entreprise nationale. Tous ont expliqué leur objectif, atteindre 19% au moins d'énergie renouvelable dans la production électrique à partir de 2023. Puis est venu le dernier temps de la visite, la réunion en préfecture pour le lancement d'une série de consultations dans le cadre des Assises de l'eau. Autour de Nicolas Hulot, le président du conseil exécutif, des représentants de l'agence de bassin Rhône-Alpes-Méditerranée, des élus locaux, des scientifiques, l'enjeu, comment concilier les besoins en eau, la potabilité, les ressources et le changement climatique. D'abord, ici, vous avez 50% de fuite sur les réseaux. Deuxièmement, on peut, comme on l'a fait à Bonifacio, s'interroger sur la réutilisation des eaux usées. Troisièmement, il faudra probablement stocker. Mais est-ce qu'il faut faire des grands barrages ou quelques retenues? Est-ce qu'en même temps, il faut aussi s'interroger sur les pratiques agricoles? C'est toute cette vision qu'on doit faire dans les Assises de l'eau. Nicolas Hulot aura réaffirmé de grands principes durant sa visite, mais il sera surtout resté très prudent, quel que soit le thème abordé. Thank you.